I'm a slave man. Tick 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 boom. Tick 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 فعال بستان شكله لاحق بوم. المفتاح بالسيارة دحوش السير الصندوق في شايد خلف السيطرة بده يهيمن على السوق. Octobre Liban. Ce texte est une marche dans une rue Béroutine à travers la révolution libanaise. Une marche le long d'une phrase urbaine rythmée dans sa forme par la corruption du système. Une marche bornée dans le temps par deux explosions. Le 17 octobre 2019, celle de la colère des Libanais contre leur classe politique. Et le 4 août 2020, celle de 2000 tonnes de nitrate d'ammonium qui à un moment eut raison de tout. Dans l'espace par deux places, le rond-point de Daoura à l'entrée nord de Beyrouth et la place Riyad al-Salah en son centre. D'abord, près du rond-point, la décharge de Bach Hammoud, issue de la crise des déchets de 2015 qui s'avance dans la mer. Ensuite, le fleuve, cet égout à ciel ouvert qu'on peut suivre en amont jusqu'aux dernières pinèdes du mont Liban détruites par le béton et aux carrières de pierre qui bouffent la montagne. La gare ferroviaire qui n'a plus vu passer un seul train depuis des décennies. Le siège de la très corrompue compagnie d'électricité du Liban, incapable d'éclairer le pays, mais dont le budget est un gouffre sans fond. Le port de Beyrouth, qu'on aperçoit entre les immeubles, ces millions de transactions louches, dont celle qui a conduit à l'explosion du 4 août et qui a détruit la ville et qui a mis à terre un pays déjà à genoux. Puis enfin le centre-ville, reconstruit mais vitrifié, ou rasé et transformé en parking. Le centre, siège de la corruption faite système et des cinq têtes du monstre au pouvoir, le financier, l'immobilier, le religieux, le parlement, le gouvernement. Ici, la rue s'arrête net et la forme de la ville donne sa forme à la révolution. Physiquement et politiquement, le changement bute encore contre le grand sérail perché sur sa colline comme une acropole.